Je pense que... Bonjour à tout le monde, bonjour chers invités. Donc, je m'appelle Fatou Ouar Hassan, je suis journaliste, militante féministe sénégalaise et je suis très contente d'être aujourd'hui la modératrice de ce panel qui s'inscrit dans le cadre du sommet Get Wiser, qui veut dire Women Initiative for Social Entrepreneurship, qui est un événement annuel qui met en lumière et célèbre les femmes qui sont à l'origine de changements systématiques importants. Donc, pendant 3 jours, des acteurs clés de l'écosystème de l'entrepreneuriat social discuteront de la manière dont nous pouvons redéfinir le succès en tenant compte de manière singulière l'impact des femmes entrepreneurs sociaux. Donc aujourd'hui, entrepreneurs sociaux. Donc aujourd'hui, nous allons discuter autour du thème les rôles et les contributions des femmes et jeunes filles dans un monde où chacun est acteur du changement. Et pendant ce panel-là, nous aurons l'occasion d'écouter les histoires d'inspirantes femmes, actrices du changement, qui au quotidien, à travers leurs actions, arrivent à changer les paradigmes et les mentalités au niveau de leur communauté. Donc, nous aurons avec nous Madame Fatim Nyan-Nyox, citoyenne active, directrice exécutive de Jocolabs pendant 7 ans. Elle est cofondatrice de Women Incube, une initiative une initiative qui soutient le renforcement des femmes analphabètes ou ayant quitté l'école prématurément pour renforcer leurs capacités et utiliser le numérique pour accélérer leurs projets. Bonjour, Madame Fatou. Bonjour Fatou et bonjour à tous. Je suis très contente de vous avoir parmi nous. Et voilà, donc vous pouvez nous dire un peu beaucoup plus sur ce que vous faites. Oui, merci Fatou et je voudrais d'abord dire que j'étais très ravie et très honorée d'être sur ce panel avec des femmes extraordinaires qui sont également avec moi sur ce panel. Alors, qui je suis, ce que je fais, vous l'avez déjà dit, je dirige donc Jocolabs depuis 7 ans, qui est un réseau d'espaces d'innovation. Nous sommes des acteurs du changement parce que le fondateur Karim Si est un Ashoka Fellow d'ailleurs. Et pour nous, l'idée, c'était vraiment d'apporter de l'innovation dans tout ce qui se faisait dans le quotidien des hommes, mais également des femmes surtout, et de montrer qu'en fait, grâce au digital, on pouvait apporter beaucoup de changements, mais qu'on pouvait améliorer également les conditions de vie, créer de la richesse, mais surtout apporter beaucoup de valeur pour l'être humain en règle générale. Ça, bien sûr, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de toutes mes activités, mais je pense qu'au cours de la rencontre, on pourra aller beaucoup plus en profondeur dessus. Merci. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Nous avons également Madame Kodouloum, elle est journaliste de formation, présidente du réseau international des femmes de l'Association mondiale des radiodiffuseurs. Elle est membre de l'organisation qui regroupe plus de 120 radio communautaire du Sénégal. Elle a une expérience dans divers domaines, allant du journalisme à la communication, en passant par l'environnement, le développement, la migration et les questions liées au genre. Donc, Madame Cordou, bonjour. Cordou? Cordou, est-ce que vous nous entendez? Non, je pense qu'elle a des soucis de connexion. Mais bon, le temps d'avoir Cordo avec nous, Madame Fatim, est-ce que vous pouvez nous parler de votre motivation, de ce qui vous a motivé à être aujourd'hui, cette actrice de développement? Alors, Fatou, j'ai envie de dire, je n'ai pas vraiment eu besoin de motivation, parce que déjà, étant une femme, étant une maman, étant une sœur, je pense que de manière naturelle, on a envie de changer les choses, mais surtout de les améliorer pour
bien. On sait très bien comment ça se passe en Afrique. Une femme, c'est tout. C'est elle qui donne la vie, mais c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on arrive à structurer, en tout cas, le contexte socio-économique des pays, qu'on le veuille ou pas. Sans une femme, aujourd'hui, les pays ne pourraient pas avancer. Donc, ce qui m'a davantage motivée, si du coup je veux reprendre le terme qui a été utilisé pour la question, c'est qu'en fait, pendant plusieurs années, j'ai quand même travaillé à l'extérieur, donc j'ai couvert pas mal de pays. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant au Sénégal, j'avais une vision, c'était la vision de ne laisser personne en rade, d'avoir vraiment l'idéologie d'arriver et de déconstruire en fait tous ces stéréotypes qui étaient là, de remettre et de reléguer la femme toujours au second plan. Et en fait, j'ai travaillé au début pour la promotion de la destination Sénégal partout dans le monde. Et toujours la question qu'on me posait, c'était « mais les femmes, elles font quoi ?» Je dis « les femmes, c'est elles qui travaillent et les hommes sont sous l'arbre à palabre. » Et voilà, et c'est une réalité donc, que j'ai découvert sur le terrain, parce qu'en fait, je suis experte migration, développement avant tout, et donc pendant longtemps, j'ai travaillé sur comment générer des opportunités justement pour des femmes, pour lutter contre l'immigration illégale, et cela m'a fait parcourir un peu tout le Sénégal et d'autres pays, et pendant ce parcours, j'ai eu à rencontrer des femmes exceptionnelles, des femmes battantes, des femmes qui ont perdu des enfants justement dans cette immigration, et ça m'a poussée vraiment à développer un peu toute cette appétence autour de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi, de se dire que voilà, il y a des opportunités, elles sont là, elles sont peut-être pas connues, mais qu'en fait j'avais envie d'être là et d'être celle qui véhicule justement ces informations non connues et de pouvoir les transmettre de la manière la plus adaptée. Donc, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de ça qui a continué, en tout cas, à faire évoluer toute cette idéologie que j'avais pour les femmes. Carrément, carrément. Kwadu, est-ce que vous nous entendez? Oui, je suis là. Voilà, donc, on vous a présenté, vous n'étiez pas... Vous aviez des problèmes de connexion, certainement. Oui, et là, c'est... Donc, on vous laisse nous parler un tout petit peu de vous et de ce que vous faites. Voilà, merci Fatou. C'est un plaisir de vous avoir en face de moi pour la modération donc, de ce panel. Bonjour également à Fatim Nyang, je viens pour une première fois donc, de voir les yeux dans les yeux, même si j'ai eu à dire quand même. Et également le fait je sois je suis journaliste de formation qui est en exercice à la radio Oxygène où je suis depuis plus d'une dizaine d'années. Parallèlement à ça, je suis également activiste féministe qui me concentre surtout sur la défense des droits des femmes, notamment des femmes sénégalaises. Je suis également la présidente du RIF, qui est le réseau international des femmes, qui fait partie de l'Association mondiale des radiodiffuseurs, sous la coupole de l'URAC, qui englobe un peu les 129 radios communautaires au niveau du Sénégal. Je suis une passionnée des questions liées aux femmes, je l'ai dit, mais aussi de l'environnement, de la migration. Ce sont en tout cas les trois thèmes d'amour sur lesquels je m'investis pleinement. Et voilà en gros la présentation de ma personne. C'est magnifique. Donc tout à l'heure avec Fatim, nous avons parlé de motivation. Et toi, Kareva, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a motivé à être aujourd'hui cette actrice de changement et qu'est-ce qui continue à te motiver? Déjà, la première source de ma motivation donc, a été déjà toute petite, je projetais d'être journaliste. Pour cela, après que j'ai eu mon baccalauréat et que je sois donc, orientée au département d'anglais, ce désir ne me quittait toujours pas. Je me suis
Donc, tenter donc de faire le concours au CESTI, ça n'avait pas marché. Je suis allée m'inscrire à l'ISIC, l'Institut des sciences de l'information et de la communication, où j'ai appris mes premiers pas donc de journalisme. Au sortir de cette école, donc j'ai fait mes premiers pas à la radio Oxygène où je suis encore, qui m'a accueillie jeune reporter. Et au sein de cette radio, quand j'arrivais, j'étais là. La terre pour en banlieue parce que c'était mon option quand même d'aller donc dans une radio communautaire de rencontrer que je connaissais auparavant de en contact avec beaucoup de personnes beaucoup de profils déjà au sein de la radio qui parle de radio communautaire parle des différents profils qui y sont. Il n'y a pas que des journalistes, il y a des animateurs, il y a des animatrices. Il y a un monde extérieur donc, qui n'a rien du journalisme ou de la communication, l'exercice donc, au sein de ces radios. Une fois à la radio, je me suis dit que je ne vais pas me limiter à faire le travail du jeune reporter. Non, j'aspirais à aller au-delà. Donc, d'aller sur le terrain, de faire des reportages, c'était une chose. Mais j'aspirais également à faire des pas en avant. Du reportage, je passais à la présentation du journal. Je passais à faire de la revue de presse. Et ce n'était pas donné à n'importe qui. Et donc, déjà, le niveau que j'avais, ce n'était pas... par rapport à ce que je retrouvais déjà sur le terrain. Donc, je faisais des choses que tout le monde n'a pas. D'accord. Donc, j'ai essayé un peu de m'imposer en tant que jeune reporter, mais également en tant que femme, ne pas me limiter aux petites tâches qu'on a l'habitude de confier aux jeunes reporters. J'étais femme, certes, mais je ne me faisais pas de limite, quoi. Je me disais que j'avais quelque chose qui était en moi, que je devais réveiller. Et ça, je l'ai senti très tôt. Et j'ai essayé de mettre les moyens un peu pour y arriver. Et en tout cas, une manière pour moi de changer un peu ce que j'avais trouvé à la radio. Pour me faire... Ok. Kodou, donc on a perdu Kodou vers la fin, mais quand même on a pu entendre une bonne partie de ce qu'elle a dit, cette prise de conscience en tant que femme, à vouloir aller au-delà même de ses limites ou des limites que la société voulait imposer. On a également entendu Fatima tout à l'heure quand vous dites que oui, votre condition de femme en tant que femme qui a eu cette possibilité de voyager, de voir les inégalités, c'était naturel quoi. Vous n'avez pas besoin d'une motivation supplémentaire peut-être pour vous engager. Mais Fatima, comment vos différentes initiatives impulsent le changement dans votre communauté? Comment vous mesurez ce changement-là que vous apportez dans vos communautés à travers vos différentes initiatives? Alors, l'indicateur clé pour moi, c'est de voir une femme déjà qui réussit, une femme qui sait se prendre en main. Donc, une femme autonome, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beau parler d'accompagnement, parler de projets, etc., etc., même de violences faites aux femmes, si derrière, on ne les accompagne pas à être autonomes, elles seront toujours victimes de violences, elles seront toujours laissées en rate, comme je le disais tout à l'heure. Et pour moi, tout cela, ça passe par l'éducation. Pour moi, c'est la base de tout dans ce monde. Et c'est pour ce faire que tous les projets que je mets en place sont vraiment autour de cette éducation-là. Je vais, si Fatou, tu le permets, en citer un peu quelques-uns. Par exemple, je suis la coordinatrice pour toute l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest également, de l'initiative qu'on appelle Africa Code Week. Donc, l'Africa Code Week, c'est vraiment... comment est-ce qu'on essaie d'accompagner les plus jeunes pour demain, mais à travers justement l'introduction du code informatique, de toute cette pensée computationnelle qui peut exister, et savoir comment, grâce aux différents ministères d'éducation, on va dire, intégrer ça dans le curriculum national.
Et dans ce cadre-là, on a mis ce qu'on appelle des ateliers pour les femmes enseignantes. Et ces femmes enseignantes, aujourd'hui, c'est pour nous de pouvoir leur donner la force de changer drastiquement, on va dire, et d'aller sur des méthodes alternatives de travail. Donc, on va aller sur de l'innovation avec du design thinking pour aller plus en profondeur sur tout ce qu'elles font déjà à l'école. Mais on va également aller sur beaucoup d'aspects de leadership dont elles ont besoin, parce que quand elles arrivent enseignantes, elles viennent, elles subissent en réalité. Elles ne font que subir et finalement, à force de vouloir subir, ça veut dire, quand je dis subir, c'est suivre à la lettre ce qui a été décliné comme programme, finalement, on est en train de barrer la personne et de lui enlever, de lui ôter toute sa créativité. Et donc, voilà, avec ça, c'est vraiment un gros, gros travail que nous faisons. De la même manière, j'ai réuni 20 femmes enseignantes qui sont de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sénégal, un peu partout du Sénégal, pour travailler avec elles sur ce que j'appelle l'Éducalab. C'est comment est-ce que ces femmes enseignantes ont la possibilité elles-mêmes de mettre en place des projets pour pouvoir soutenir le maintien des filles à l'école. On sait que c'est une question qui est énorme parce qu'aujourd'hui, Fatou, si je te demande d'après toi, c'est quoi le facteur probant, tu ne sais pas peut-être que souvent beaucoup de jeunes filles, elles arrêtent l'école parce que les enseignants n'arrêtent pas de les envoyer à la boutique, de leur demander chercher des choses. Et ça, souvent, ils ne savent pas parce qu'en fait, on va parler des toilettes, on va parler de certaines choses, de l'hygiène, des menstrues, tout. Mais souvent, c'est parce que quand elles sont en classe, les enseignants les sortent de la classe pour leur dire « va me chercher quelque chose à la boutique », etc., etc. Et ça, c'est vraiment bloquant. Ouais. Et toutes ces femmes qui vivent au quotidien, qui sont des enseignantes, ont besoin justement, parce qu'elles sont sur le terrain, de pouvoir ensemble, et je dis bien ensemble parce que pour moi, la collaboration, elle est essentielle dans tout ce que nous faisons, réfléchir, avoir cette réflexion collective pour vraiment trouver des solutions innovantes pour permettre vraiment à ce que les filles, elles restent à l'école. Et tout ça, ça m'a poussé à mettre en place une structure qui s'appelle Accent, qui est l'accompagnement pour la contribution collective pour l'éducation, l'entrepreneuriat et le numérique des territoires, parce que chaque ville du Sénégal, chaque commune, chaque région a le droit d'être accompagnée dans cette transition-là. Toutes ces femmes ont des idées, toutes ces femmes ont un vécu, elles ont besoin vraiment d'être soutenues, mais nous devons le faire ensemble, Fatou. Que je le fasse avec Kodou, qui est là, qui travaille avec les radios communautaires pour pouvoir diffuser des messages qui soient en langue locale, qui soient entendus par les femmes et qui soient faits de manière vraiment très simple. Parce qu'en fait, il faut qu'on arrête d'aller sur des schémas traditionnels d'apprentissage où voilà, le curriculum, il est fait, il est complètement obsolète, mais il n'est pas adapté à la réalité de la ville. Je veux dire, à Matam, dans mon village, mais il fait excessivement chaud. Ce n'est pas à 10 heures du matin que je vais essayer de faire comprendre à des femmes certaines choses. Donc, peut-être qu'il y a un autre créneau. Et en fait, c'est vraiment, vraiment très, très important de pouvoir adapter tout ce que nous faisons aux réalités. Dakar, ce n'est pas pareil que Thiès, ce n'est pas pareil que Tiguinchor et tout. Et je pense que souvent, c'est là que nous trompons vraiment de cible. La cible, elle est large. Elle est peut-être la même en texte. En termes de genre, on va dire, mais en termes d'adaptation de contenu, elle ne peut pas être la même. Carrément. Donc, voilà, je pense que ça, c'est important. Et l'impact que je ressens, c'est qu'aussi, il faut savoir faire du à la carte. Parce que si nous ne faisons pas du sur-mesure, nous détournons de notre objectif. Et finalement, bah, le résultat, il est zéro. Et je pense que tout le travail de terrain qui est fait par toutes ces belles femmes inspirantes que ben, finalement nous sommes. Et on en est très, très fiers quelque part de se dire que ben, grâce à moi, aujourd'hui, j'ai Kodou. Ce n'est pas Kodoulou, mais une autre Kodou qui est vendeuse à Saint-Diabon. Elle arrive justement à aborder la vente de ses mangues sous une autre forme et qui lui permet de générer des ressources assez conséquentes pour prendre en charge sa famille. Parce qu'une femme qui entreprend, avant tout, c'est pour le bien-être de sa famille. Ça, c'est...
Non, mais carrément, je suis trop fan. Et je vois tellement ce que vous dites depuis tout à l'heure. Moi, étant aussi élève aussi, quelque part, oui, ma maîtresse me faisait faire des choses. Donc, je vois carrément ce que vous dites. Et c'est important, cette solidarité, cette sororité, de pouvoir être ensemble en tant que femme et de réfléchir sur ces questions-là qui nous touchent et qui nous concernent. Et je pense aujourd'hui déjà ce que vous êtes parvenu à faire avec cette corde-là est totalement magnifique. Magnifique, parce qu'il n'est pas question de venir dire aux vendeuses de mangue, allez, laissez votre mangue et venez cultiver du riz. Non, il faut essayer d'apporter des solutions ou d'améliorer ce qu'elles font pour qu'elles puissent s'en sortir, parce que c'est ce qu'elles aiment et où ce sont les possibilités qui se présentent en elles. Donc, c'est carrément super. Et Kodou, est-ce que vous êtes à nouveau avec nous? Kodou? Je suis là. Voilà, la connexion nous joue des tours, mais bon, c'est pas grave. Oui, ça bouge parfois. Carrément. Et là, on parle de l'impact, et je ne sais pas, comment vous parvenez à mesurer l'impact que vos reportages, que votre activité de sensibilisation de terrain a sur la communauté? Cordon. Voilà, vous savez, Fatou, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, je disais que vous savez qu'impulser un changement donc, dans la vie n'a jamais été facile pour soi-même d'abord, encore plus pour les autres, notamment quand il s'agit donc d'implémenter un peu de nouvelles habitudes. Mais de par les émissions que nous animons, parfois, nous ressentons un certain changement parce que nous parvenons parfois à faire la cartographie. Au sein de la radio, nous avons des clubs d'écoute qui nous permettent parfois d'évaluer ce que nous faisons. Je le dis à devenir journaliste, injustice qui s'est passée au sein de la radio dans laquelle j'évoluais, mais également à travers d'autres médias, parce que je suis en parfaite relation avec d'autres journalistes qui sont ailleurs, m'a permis de mieux comprendre la situation de toutes ces femmes au sein des médias au Sénégal, et à plus forte raison au sein des radios communautaires dans laquelle j'évolue. Et cette aspiration à vouloir changer le comportement, certaines injustices, m'a poussée à vouloir être à la tête du RIF pour encore beaucoup plus redondant. Déjà au sein de la radio, parce que je le disais, quand j'arrivais, j'étais la seule qui est sortie d'une école de formation à journalisme et communication, je me suis rendu compte de l'importance de la formation. Et de par là, j'ai incité mes jeunes frères et sœurs que j'ai trouvés à la radio à aller donc au-delà, à aller s'inscrire au sein des écoles de formation en journalisme et communication, même parfois parce que les moyens ne suivaient pas, donc d'obtenir en tout cas des bourses de par nos relations, et pour permettre donc à ces jeunes reporters d'aller au sein de ces écoles pour être beaucoup plus professionnels. L'autre, c'est de les inciter à apprendre davantage. Fatou, je ne vous dirai pas que quand on est dans une radio communautaire, on a la possibilité d'apprendre beaucoup de choses en même temps. Au-delà d'aller sur le terrain de faire son reportage, on a donc la possibilité de tenir la technique, donc d'apprendre quelques notions techniques qui nous permettent, même au-delà d'aller sur le terrain, de faire le reportage, mais de savoir monter ce reportage avec les normes qui sont requises, techniques, mais aussi d'apprendre à animer des émissions thématiques, donc sur plusieurs thèmes. Et ça permet en tout cas d'avancer et de ne pas se limiter dans un confinement qui ne dit pas son nom, mais également de leur faire comprendre quelles sont les possibilités dans ces radios où ils ou elles évoluent, d'être des responsables. Donc, d'occuper des postes de responsabilité au sein de ces radios, mais également de réveiller un peu, je le disais et je continue de le dire, de réveiller ceux qui dorment en eux. Beaucoup d'entre eux ne croyant pas à leur propre personne, donc ont
mal à, j'ai à accepter déjà donc certains certaines choses. Donc parfois on le sent, il y a des comportements qui se voient. J'animais une émission sur la migration. Avant que même je termine, un jeune homme de Pékin qui écoutait l'émission me dit qu'il a abandonné son projet donc de se rendre au Maroc via les pirogues, parce que là je me dis que j'ai au moins changé un comportement de quelqu'un qui avait envie d'aller voir ailleurs, mais en n'ayant pas l'option de passer par la voie normale, la voie régulière. Et en tout cas, on a la possibilité de voir l'impact que ce que nous voulons donc changer, que cela se note clairement, quoi, si je puis m'exprimer. Carrément, c'est magnifique. Parce qu'en général, ces émissions-là, ces sensibilisations-là peuvent avoir de l'impact et ont souvent de l'impact. Et ce jeune-là a abandonné grâce à une émission. Et ça, c'est important. Et c'est cette personne-là qui a eu la possibilité de pouvoir parler avec vous. Il y a certainement d'autres personnes qui ont été impactées et qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir accès sur toi pour pouvoir vous parler. Donc, c'est carrément très bien ce que vous faites. Et nous avons Ndeye Marie Aïdejibé. Oui, Kondou. Okay. Oui, je voulais juste ajouter qu'une émission que l'on fasse sur le changement de comportement, non seulement on a la possibilité d'animer cette émission en français, mais également en Wolof, mais en d'autres langues, pour vous montrer un peu que l'impact peut même dépasser nos attentes, parce qu'on touche beaucoup plus largement plusieurs communautés en même temps. Carrément, c'est magnifique, c'est carrément magnifique. Et voilà, donc nous avons l'autre intervenante, Ndeye Marie Aïdejibé, qui est ingénieure en génie civil, auteur, entrepreneur social et militante pour le climat. Elle a fondé une entreprise de construction appelée Ecobudget Made in Sénégal. Elle a représenté le Sénégal au sommet des Nations Unies sur l'action pour le climat des jeunes. Elle est également une de mes promotionnaires pour le Centre Jumeau, que je pense. Donc, je suis très contente de l'avoir parmi nous. Ndeye Marie, comment vas-tu? Je pense que vous n'avez pas activé votre micro. Donc, voilà, je disais, je suis très heureuse d'être parmi vous. Bonjour à tous et à toutes. Je salue Fatou et je salue toutes les intervenantes et toute l'équipe d'Ashoka. Qui permet aujourd'hui de nous exprimer sur nos activités, mais surtout d'entendre l'expérience d'autres femmes. J'étais très ravie d'écouter Kondou sur le rôle du journalisme dans la sensibilisation, par exemple, contre l'immigration. C'est vraiment un travail remarquable qu'elle fait, un travail remarquable que vous faites, vous toutes, en tant qu'acteurs du changement. Dans le cadre de nos activités. Donc, tu m'as très bien présenté. Je ne sais pas si j'ai besoin de me présenter encore, mais je vais faire très brièvement. Je m'appelle Ndeye Marie Aïdejibé. Donc, je m'excuse du retard parce que j'étais en train d'organiser un de nos chantiers à Dakar, donc en éco-construction. C'est une première dans notre entreprise d'avoir ce type d'activité d'éco-construction sur la capitale. C'est un pas que nous faisons en termes de construction durable et bioclimatique. Je suis ingénieure en génie civil et je viens d'ajouter une autre flèche à mon arc, puisque je suis aussi actuellement ingénieure en sciences de l'environnement. Donc, j'ai parfait cette formation, puisque l'environnement et le changement climatique, c'est aujourd'hui l'une de nos plus grandes préoccupations. Je parle de nous, puisque nous sommes une équipe au sein d'EcoBuilders. Et je suis très ravie d'être parmi vous, Fatou. Partagez, nous sommes très contentes de t'avoir parmi nous. Et Ndeye Marie, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de votre motivation? Qu'est-ce qui te motive, hein? Je ne sais pas si je dois te tutoyer ou ouais, je ne sais pas. Mais quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui cette actrice du changement? Ce qui me motive... J'ai beaucoup de motivations, disons. La première, en fait, c'est que je suis dans un métier qui est le génie civil et les sciences de l'environnement actuellement, qui est un métier qui est très masculin. Donc, la première motivation, je veux dire, en termes de formation, c'était de prouver que nous pouvons être des ingénieurs, des femmes ingénieurs, et que nous pouvons, tout comme les hommes, mener
des activités, et non seulement des activités de construction, mais des activités de construction autrement. Donc, être actrice dans la construction, c'est quelque chose d'assez particulier, surtout dans nos pays. Et ma première motivation, c'était de montrer aux jeunes filles et aux femmes qu'il est possible d'être ingénieure dans le domaine de la construction. L'autre motivation, je vais dire, ça a été un déclic en tant qu'étudiante dans les zones rurales du Sénégal, ce qui a motivé la création d'EcoBulle 2, c'était de voir nos producteurs perdre énormément de récoltes dans les pôles ruraux. Et on s'est rendu compte qu'avec nos compétences en génie civil et en construction, on pouvait résoudre ce problème-là. Puisqu'aujourd'hui, au Sénégal, on parle d'autosuffisance alimentaire. Le post-récolte est aujourd'hui une partie importante de cette autosuffisance-là parce que nous produisons à perte. Donc, nous perdons plus d'un tiers de notre production. Donc, ça a été un choc pour moi et il fallait mettre en place des solutions durables. Et l'environnement, pourquoi je suis militante pour les changements climatiques, c'est parce que dans nos campagnes aujourd'hui, on voit les agriculteurs nous parler d'un changement à l'échelle de leur champ. Donc, nous produisons autrement en raison du changement climatique. Je n'aime pas parler de ce terme puisque ce changement, il est à l'échelle non seulement de l'agriculture, de l'élevage, du journalisme, j'imagine, puisque aujourd'hui, il y a des journalistes environnementalistes qui nous informent de l'actualité climatique. C'est un changement aussi à l'échelle de nos activités, puisque nos constructions sont faites autrement en raison de ce changement-là. Donc, je suis militante pour l'environnement parce que cela impacte nos populations, à l'échelle des populations, cela nous impacte dans nos activités, cela impacte nos agriculteurs, nos éleveurs, nos journalistes, nos financiers. Donc, nous avons traversé une crise qui découle de ce changement-là et il était important pour moi de montrer l'importance de l'environnement et de sa protection dans la résolution de toutes les crises que nous traversons. Carrément, carrément. Et c'est carrément une très belle initiative. Et maintenant, comment tu arrives à mesurer l'impact de tes initiatives? Comment tu arrives à mesurer cet impact-là? Donc, en tant qu'environnementaliste, sur trois échelles, économique, sociale et environnementale. Économique, pourquoi? Parce que, par exemple, si je prends l'exemple des hangars de stockage, puisque c'est l'exemple, je pense, le plus simple à mesurer, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous avons conservé plus de 400 tonnes de récolte dans nos années d'activité. Nous avons permis à des producteurs d'avoir accès à 5 espaces de stockage communautaire que nous avons dans différentes zones en termes de chiffres. Nous avons mis en place des constructions éco-responsables pour des particuliers, mais aussi pour des entreprises. Donc aujourd'hui, en termes d'impact économique, nous pouvons le mesurer. En termes d'impact social, c'est aujourd'hui des producteurs, des particuliers qui ont conscience de l'importance de la protection du climat, parce que cette importance-là, elle se mesure à l'échelle de leurs activités. On a des producteurs qui peuvent économiser ou gagner plus grâce au stockage et qui permettent à leurs enfants d'avoir accès à l'éducation. L'impact social aussi, c'est des petits-enfants qui aujourd'hui vous parlent du climat et de l'environnement parce qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, il faut le préserver. Nos hangars sont en matériaux recyclés. Donc, on ne voit plus de jeunes dans les pôles où on a impacté ces hangars à jeter des bouteilles, des sachets en plastique, des pneus parce qu'ils ont conscience qu'on peut construire avec. Et d'un point de vue environnemental, c'est énormément de déchets qui sont recyclés. Donc, pour une construction de 100 tonnes, par exemple, nous avons recyclé plus de 20 000 pneus. En termes de bouteilles, on utilise plus de 13 000 bouteilles. Et en termes de sachets en plastique, c'est 6 500 et quelques sachets en plastique. Donc, si on le multiplie par 5, c'est énormément de déchets non biodégradables qui sont réutilisés. Donc, c'est un pas énorme en termes de recyclage. Donc, sur ces trois échelles-là, nous mesurons nos impacts, bien sûr, parce que l'impact social est important, environnemental et économique, puisque nous sommes dans un pays où ce sont des questions qui sont importantes. Et c'est carrément très important. Mais c'est anecdote, pas tout pour ne pas te couper, qui m'a un peu marqué en termes d'impact, parce que j'étais dans une zone rurale qui s'appelle, un petit village qui s'appelle Makassa. Je suis sûre que même les Sénégalais ne connaissent pas ce petit village parce qu'il est sur l'ancienne route de Touba. Donc, c'est un petit patelin, un village qui est un peu loin, dans la brousse. Et j'étais en train, de manager les ouvriers et de moi-même construire parce que j'aime bien entrer dans le processus de construction. Et j'ai remarqué que jour après jour, il y avait des petites filles qui venaient me voir pour regarder les bouteilles, pour regarder les pneus
et qui était émerveillé de me voir soulever un seau, manager des ouvriers, parce que dans ce petit patelin, je veux dire, c'était quelque chose de très nouveau de voir une femme construire. C'était quelque chose de très nouveau parce qu'il y avait un ouvrier local qui était le manager de toutes les constructions du village. Donc, de jour en jour, je voyais les petites filles amener leurs bulletins. Donc, elles m'ont montré leurs bulletins. Leurs mamans les ont accompagnées pour me montrer leurs bulletins. Elles me demandaient, est-ce que je pourrais faire comme toi avec ces notes-là? Donc, je voyais qu'elles avaient d'excellentes notes, qu'elles étaient capables de le faire. Donc, j'avais un groupe de petites filles que je sensibilisais sur le fait qu'avec leurs notes, elles pouvaient devenir comme moi ou même plus que moi. Donc, je leur ai expliqué comment faire ingénieur, comment accéder à ça. Elles m'ont promis que plus tard, elles seront comme moi ou plus que moi. Donc, c'est quelque chose où on mesure que le changement en fait, que nous sommes en train de faire, c'est dans la tête de nos petites filles. C'est dans leur... Voilà, on renforce leur pouvoir d'agir. On renforce leur confiance en elles. Et c'est un très grand honneur d'être dans des zones rurales et de les voir autour de moi en train d'observer et de se dire, bon, plus tard, je serai comme ça. C'est magnifique, vraiment. Vous êtes des personnes inspirantes, je l'ai dit tout à l'heure, et je sais que ceux qui nous suivent aussi me donnent raison parce que vous avez carrément des parcours exceptionnels et vous faites un travail important. Et vous êtes toutes inspirantes. Et j'ai envie de demander à Fatim, en dehors de vous, quelles sont ces personnes ou ces femmes qui vous inspirent? Est-ce qu'il y en a, est-ce que ça existe bien sûr, mais quelles sont ces femmes-là qui vous inspirent, pas forcément des femmes, des personnes qui vous inspirent, ces acteurs ou actrices de changement? Mais quand je vais couper le micro. Oui. Alors, Fatou, je pense que cette question va... Peut-être que ma réponse sera un peu le sentiment un peu de tout le monde, mais moi, la première personne dans ma vie qui m'a inspirée, c'est d'abord ma maman. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que je suis issue d'une famille très, très, très mixte, hein, avec un gros métissage, et c'est vrai qu'avec des cultures complètement différentes, mais j'ai surtout une maman qui a tout arrêté pour nous, qui n'a finalement pas fini ses études, qui a consacré toute sa jeunesse, toute sa vie à l'éducation de ses enfants. Et parce qu'elle a fait ça, je l'ai également vu subir pas mal de violences morales. Quand je dis morale, c'est que voilà, on sait comment ça se passe dans les familles, les belles familles surtout au Sénégal et tout. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui m'a énormément marquée dans ma vie, en me disant qu'il fallait dans tous les cas travailler pour l'autonomisation. D'une part, être une femme, c'est une condition pas simple parce que voilà, on est on est multitask, on est sur vraiment plusieurs batailles, l'éducation de nos enfants, bien sûr, notre autonomisation, mais aussi notre devoir, parce que je pense que c'est de notre responsabilité de faire un peu ce give back. Et derrière ça, je pense que chaque être humain, finalement, hein, que ce soit des femmes ou des hommes, pourra toujours être redevable et inspiré par ce qui se passe autour de lui, que ce soit ses parents, que ce soit un oncle, que ce soit une tante ou même un professeur. Et de là aussi, j'ai été inspirée par mon ancien censeur, parce que bon, j'ai fait tous mes bancs au lycée Tiernos et de Norotal, de la sixième jusqu'en classe de terminale. Et c'est vrai que j'ai eu un censeur qui s'appelait Racine Senghor, qui est un homme de lettres, qui est un homme qui m'a beaucoup inspirée parce qu'il nous a donné le goût du travail bien fait, et il a su nous donner l'envie, et surtout il a su nous faire sentir uniques. Et je pense que cela a motivé un peu tout le parcours derrière qu'il y a eu, mais surtout les orientations qu'on a eues à faire. Après, de manière très générale, je me bats énormément pour le droit des femmes. Et c'est vrai que quand je prends, je ne vais même pas parler de nos Sénégalaises, mais de l'africanicité, parce que c'est comme ça que j'aime bien le dire. Fun Milayo m'a beaucoup, 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 beaucoup inspirée pour toutes ces grosses batailles autour des droits des femmes.
parce que, comme vous le disiez au préalable, hein, on se bat pour les droits des femmes. Je ne me considère pas comme une féministe parce que j'estime que nous avons besoin des hommes pour aller, mais par contre, je me bats pour le droit des femmes. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir respecter la femme, de pouvoir la mettre sur le même piédestal que les hommes. Bien entendu, il y aura toujours des choses sur lesquelles on ne peut pas faire d'enfants sans les hommes, par exemple. Donc, il y a énormément de choses sur lesquelles, après, ça devient très, très subjectif, pour ma part, en tout cas. Mais des figures inspirantes, pour moi, c'est Korka Reiss, aujourd'hui au Sénégal, parce que, voilà, elle est en zone rurale, elle n'a pas étudié, mais aujourd'hui, grâce à elle, elle développe tout un réseau de femmes à qui elle permet d'être autonome, d'avoir un métier, d'avoir des compétences. Et je pense que c'est extrêmement important de valoriser ces personnes. Donc moi, toutes les personnes, en réalité, qui m'inspirent, ce sont des femmes qui sont parties de rien. Ce sont des femmes qui se sont battues pour vivre, même pour manger, pour boire. Je dis pas que celles qui sont nées avec une cuillère d'or dans la bouche, je les mets de côté, mais bon, ça a été toujours plus facile qu'elles. Donc moi, je crois en ceux qui partent de rien, qui se battent pour leur dignité, parce que ça, c'est la chose la plus importante au monde, je pense, la dignité d'un être humain. Et ça commence par se dire qu'on n'est pas dans une politique de la main tendue, mais que on se bat sans relâche tous les jours et que c'est comme ça qu'on devient un acteur et une actrice du changement. Donc, voilà, je pourrais en dire encore plus, mais bon, on est plusieurs sur intervenantes et je pense qu'on aura l'occasion sur un autre panel ou même vis-à-vis de pouvoir discuter de ça. Carrément, carrément. Merci. Et du féminisme aussi, on va y revenir. Voilà. Donc, Code aussi, Code, si vous êtes toujours avec nous pour la même question. Quelles sont ces personnes-là qui vous inspirent? Voilà, Fatou. Vous l'entendrez durant tout le panel. D'habitude, nos premières références sont d'abord nos mamans, surtout la mienne, qui n'a pas fréquenté l'école, mais qui a fait pour que ses enfants aillent de l'avant dans ses études. Et ce même modèle, nous le reprenons avec nos enfants parce que nous avons appris, nous sommes passés à l'école, nous faisons tout également pour mettre nos enfants dans un cercle qui leur permette d'éduquer. Fatim l'a dit tantôt, comment il s'appelle, pas Fatim, Marie l'a dit tantôt, hein, parce que le fait de faire donc nos ateliers de formation nous a permis d'une collaboration que nous avions avec l'UNESCO, donc l'année passée, de piloter un programme sur l'éducation et le maintien des filles au niveau de la région de Turbel. Une région, un département un peu qui a ses réalités propres. Les filles ont du mal à aller de l'avant, notamment dans les écoles. Nous avons organisé une rencontre qui nous a permis d'avoir autour de la table les élèves elles-mêmes, les parents d'élèves, la mère et le père, les chefs de village, les préfets, les maires, pour un peu discuter de l'avenir de ces filles. Dans des échanges, des jeunes filles nous ont dit qu'elles veulent aller rester à l'école. Elles ont demandé dans des messages clairs et directs, laissez-nous apprendre parce que nous en aurons besoin. Elles ont donné des références qu'elles ont qui sont au niveau de la région de Turbel. Certaines ont cité Aminata Tall, certaines ont cité Aïdembo. Beaucoup d'exemples ont été, et c'est des éléments qui sont retentis des enfants elles-mêmes et qui disent qu'elles veulent apprendre mais qu'elles ont du mal à y aller de l'avant. Mais de permettre aux mères de famille, donc en face de leur époux, parce que parfois elles disent qu'elles n'ont pas les moyens de se mettre en face de la décision du père, de demander, aidez-nous à demander à nos maris de laisser nos enfants rester à l'école. Elles aussi, elles sont dans le besoin. Mais les problèmes dont elles font face, elles ont peur que ces problèmes reviennent encore sur leurs propres enfants. Une fille nous dit... nous marchons 4 km avant d'arriver à l'école. On arrive à l'école, l'instituteur nous renvoie parce que nous sommes arrivés en retard de 5 ou de 10 minutes.
C'est une des raisons donc, qui font que dans ces zones reculées où les élèves ont du mal à avoir des moyens de transport qui leur permettent de rejoindre le village à l'établissement, donc d'abandonner. Parfois, les parents disent, parce que les filles sont fatiguées, ils sont obligés de les donner en mariage pour qu'elles ne restent pas à la maison à ne rien faire. Et pourtant, les parents pouvaient penser à les amener dans des centres de formation qui leur permettraient donc d'allier au moins quand elles abandonnent l'école, qu'elles aient un métier. Donc ça, c'est déjà un exemple. L'autre chose, ce sont les références. On n'en manque pas, on en a tout le temps. Être dans une radio également, de travailler avec des femmes aussi, m'a permis de voir au niveau de Pékin, la radio Oxygène qui n'est pas loin du marché central aux poissons, qui n'est pas loin du marché de Tiaroy, qui n'est pas loin du marché syndical, de voir toutes ces femmes qui se lèvent très tôt le matin pour la dépense quotidienne, essayer de mettre leurs enfants dans des conditions qui leur permettent au moins de manger à leur faim, de faire du petit commerce, de payer leur location. Ces femmes-là qui sont aujourd'hui des chefs de famille, qui se mettent dans la coupole du mari comme ça se faisait avant. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont des mères de famille, ce sont les femmes qui aident un peu à se soucier plus, que ce soit toi ou moi, quand on a des problèmes à l'école. C'est elle qui a la possibilité, c'est elle qui a le temps, c'est elle qui se concentre plus sur ce que nous faisons pour qu'elle vienne régler nos problèmes. Donc, elles sont d'abord nos références. Ensuite, quand on choisit un métier, quand on choisit avoir le faire, il faut qu'on ait des références. Moi, mes références étaient parce que j'ai très tôt, toute petite, voulu être journaliste. Donc, mes références étaient celles que je voyais à la télévision à 20h, qu'il s'agisse de Diatoussi Sekoulibaly, qu'il s'agisse de Ndairo Kayembod, qu'il s'agisse de Mignel Barossey, qui sont des références pour moi parce que je ne voyais qu'elles. J'aimais leur façon de parler, leur façon de manier la langue française, d'articuler, de mettre un point là où il faut. Et voilà, par la suite, je me suis dit, attends, puisque je les aime, puisque je les adore, et j'aime le métier dans lequel elles sont, je vais faire les moyens quand même, avec l'accompagnement de mes parents et de mes tuteurs qui m'ont éduqué, à aller dans ce sens pour au moins faire ce métier que j'aime avec passion. Magnifique, magnifique. Nos mamans, elles sont inspirantes. Elles sont les premiers modèles, hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut toutes citer nos mamans comme étant les premières personnes qui nous inspirent et tout. Et c'est la maman, même si elle ne comprend pas trop bien l'éducation ou l'école ou les fournitures que nous devons acheter, c'est à elle qu'on nous demande d'acheter des trucs qui n'existent même pas. Mais malgré tout ça, c'est des carcasses pour nous mettre dans de super conditions pour pouvoir poursuivre nos études. Ndeye Marie, je vais aussi te poser la même question. Quelles sont ces personnes-là qui t'inspirent? Merci. Je vais faire comme tout le monde parce que je vais citer ma maman qui s'appelle Rokaya Fall, qui est professeure de français et qui a eu énormément d'élèves entre la Casamance, Colac et Car, et Gorée aussi. Qui était également à la maison d'éducation Mariamba et qui m'a émerveillée de par son talent de transmission et dans les différentes. J'ai eu la chance très petite de l'accompagner dans ses classes et c'est vraiment un modèle pour moi de sérieux, d'engagement. Donc, un professeur, on en avait à la maison, mais un professeur très passionné aussi par la littérature. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si j'écris des livres, c'est grâce à elle. Et si aussi j'aime ma transmission du savoir, c'est grâce à elle parce que j'ai rencontré après beaucoup de ses élèves. D'ailleurs, même il y a de ses élèves qui ont un peu mon âge. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant de voir comment elle a impacté dans la vie de beaucoup de jeunes filles aussi qui ont eu la chance de l'avoir comme professeur. Mon papa aussi, on ne les cite pas beaucoup, mais... ça a été un grand exemple pour moi. D'ailleurs, il était journaliste, donc Momodou Niguel. Je pense que Kodou peut-être le connaît. Ce fut aussi un grand modèle pour moi. D'ailleurs, il a beaucoup éveillé ma curiosité à travers ses voyages, à travers son métier de journaliste, parce que j'aime beaucoup les journalistes et les journalistes au féminin, parce que c'est... à travers eux que nous avons l'information. Bien sûr, c'est vrai que ce métier est parfois décrié, mais ce fut pour moi de... Et ce sont pour moi
puisqu'ils sont toujours là de très grands exemples. Pour ma cause environnementale, je veux dire mon grand-père, parce que il aimait beaucoup les arbres, énormément. D'ailleurs, notre maison familiale, celle de mon grand-père, était remplie d'arbres et d'animaux. Donc, on avait des moutons, des canards, toutes sortes d'animaux et d'arbres. Et je pense que cette phrase qu'il m'a dit quand j'étais toute petite, à l'âge de 5 ans, quand il m'a cité certains versets coraniques sur l'arbre et l'importance de la nature dans notre religion, cela m'a beaucoup émerveillée. Et paix à son âme, ce fut quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Mais en dehors du cercle familial, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Je vais déjà, les membres de ce panel, je vais dire m'inspirent. Je connais bien les activités de Madame Nyox, qui est un exemple dans le monde entrepreneurial. Je découvre Kodou qui dit aujourd'hui des choses qui m'inspirent, parce que absolument les jeunes filles aujourd'hui ont beaucoup des gens de barrière qui les détournent de l'école. Bien sûr, moi je veux dire qu'il n'y a même pas de piste pour atteindre l'école parfois. Elles sont obligées de marcher dans la brousse pour atteindre leurs écoles qui sont parfois très très loin. Et comme vous l'avez si bien dit, certaines sont renvoyées à la maison parce qu'elles arrivent en retard alors qu'elles ont marché des kilomètres pour arriver au niveau de leur école. C'est quelque chose. Moi, je les ai vues en route. Je les ai bien sûr dépassées en voiture parce que je partais à mon chantier et j'en ai beaucoup amené à l'école. Parce que je me disais, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon école juste à côté. Hein, je marchais 5 minutes et je me permettais même d'arriver en retard parfois parce que j'étais tellement près de l'école. Et elles, elles font un sacrifice énorme pour accéder à l'école. Donc, toutes ces filles, ces petites filles m'ont énormément inspirée et m'ont un peu appris la chance que j'ai eue. Et c'est vrai, hein, c'est une chance qu'on a d'accéder à l'école aussi facilement, alors qu'elles, elles ont des combats chaque jour. C'est-à-dire, même quand tu tombes malade, tu marches pour aller à l'école. C'était extraordinaire de les voir le matin à 7h, à 6h30 parfois, marcher comme ça pour aller à l'école. Il y a un flot de petites filles là qui marchent des kilomètres pour y assister. Donc, c'était extraordinaire de voir les disparités, un peu de l'éducation dans notre pays. Que voilà, nous, les petites filles qui ont grandi entre Dakar et Thiès, nous avons eu cette chance-là d'avoir nos écoles juste à côté. Et d'autres petites filles que j'ai découvertes à travers mes missions de construction, c'est qu'elles vivaient tous les jours. C'était incroyable de voir une petite fille, par exemple, avoir ses règles et prendre... Il n'y a même pas de quoi traverser ces règles-là. C'est incroyable. Hein? Et puis de voir ces femmes piler le mille du matin au soir pour pouvoir préparer le déjeuner. Les petites filles, elles ont raison, Kodou. Elles partent le matin, elles reviennent à la pause pour manger parce qu'il n'y a rien à manger à l'école. Elles n'ont pas assez. Elles repartent. Mais c'était incroyable, quoi. C'était vraiment une vision. Elles m'inspirent, ces petites filles. Et j'aime beaucoup aussi Maya Angelou à travers toute son œuvre qui magnifie les femmes, qui a ce message de soyez confiantes, sachez que vous êtes belles, sachez que vous êtes powerful, vous avez le pouvoir de changer les choses. J'adore son œuvre et j'adore sa façon de faire sa poésie. Maya Angelou, c'est un exemple pour moi. Et derrière ça, j'adore aussi le pouvoir qu'a eu, je vais la citer, elle s'appelle Madame Nyan, je pense, de l'APIX. C'était vraiment une femme que quand je voyais à la télé, j'adorais la voir avec ses cheveux poivre et sel. Je pense qu'elle m'a beaucoup aussi inspirée. Je l'ai croisée une fois et j'étais éblouie. Je ne pouvais même pas parler parce que je l'ai suivie toute mon enfance et c'est vraiment une femme que j'admirais. Je la trouvais vraiment trop extraordinaire. La voir et sa façon de parler aussi, c'était une femme. Et c'est une femme qui m'inspire. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Je pense qu'on a ces petits modèles-là qui sont à côté de nous et qui sont vraiment, des femmes extraordinaires. Carrément, carrément. Donc, wow.
Et vous, je sais que vous êtes des modèles aussi pour d'autres filles qui ont eu à vous connaître, à vous côtoyer et à découvrir ce que vous faites. Et je rappelle que Mme Marie, elle est aussi auteure, elle a ses deux livres qui sont aussi primés. Et donc, juste pour dire que vous avez beaucoup parlé de l'éducation, de ce rôle modèle, de ces problèmes qui touchent particulièrement aux femmes et aux filles. Et c'est parce que quand nous, en tant que femmes, nous parlons ou quand nous essayons de mettre quelque chose sur place, on essaie de le voir d'une façon inclusive et on fera le top pour pouvoir tenir en compte des spécificités de la femme. Et donc, je sais que vous êtes des modèles aujourd'hui pour ces femmes, pour ces filles et pour ces petites filles-là qui ont eu l'opportunité de vous connaître ou de vous découvrir et qui vont encore vous découvrir. Et c'est ce qui va faire, c'est ce qui va me pousser à poser la dernière question. Malheureusement, nous avons des contraintes de temps, mais Fatima, je veux carrément entendre le message que vous voulez dire à l'endroit des jeunes filles, des jeunes d'une manière générale, les filles en particulier, qui veulent ou qui aspirent ou qui souhaitent devenir des acteurs ou actrices de développement, de changement. Alors, je vais leur dire, ne lâchez rien, parce que vous changez le monde, les femmes changent le monde dans tous les cas, mais j'ai des conseils aussi, et les conseils vont à l'endroit justement de toutes ces jeunes filles qui sont là, qui sont ambitieuses parce qu'elles le sont, qu'elles aillent à l'école ou pas, elles ont de l'ambition, elles ont envie d'être des supports de famille, elles ont envie de faire des choses extraordinaires, d'innover, mais je vais leur demander de rester humbles parce que l'humilité pour moi c'est la base du succès. Restez humbles, regardez juste Fatou Arka. Allez voir sa page Facebook, elle va vous danser du malheur, comme derrière, elle va vous parler de violences faites aux femmes. Donc, tout ça, ce sont des preuves d'humilité qui sont extraordinaires. Et dites-vous que le paraître, c'est la chose la moins importante au monde. On n'a pas besoin d'être maquillée, d'être belle pour réussir. On a besoin de rester toute simple et humble pour pouvoir réussir. Et une dernière chose peut-être, parce que je sais que c'est la fin, mais sachez vous entourer, parce que quand vous pensez des choses, il faut pouvoir les partager. Et je donne toujours un exemple pour celles qui veulent faire des choses, qui ne veulent pas en parler parce qu'elles ont peur qu'on leur pique leur idée ou quoi que ce soit. Vous savez, quand vous allez au marché, vous avez 5 vendeuses de carottes. Vous les retrouverez toujours à la même place, mais vous en choisirez peut-être une parce que son produit est plus bio, l'autre parce que son produit est moins cher, l'autre parce que juste la vendeuse est très agréable et l'autre parce que X ou Y raison. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que nous ne sommes pas les plus intelligentes au monde. Nous sommes aujourd'hui des privilégiés d'être des intervenantes à ce panel. Mais à ce panel auraient pu être bien d'autres femmes. Et vous-même, ces futures femmes actrices de changement que vous êtes déjà, parce qu'une femme, elle naît en étant une actrice de changement. Je l'ai dit au départ, c'est tout naturellement que ça vient. Il n'y a pas de motivation, il n'y a pas l'inspiration de Fatim, de Neymari, de Kodou, de Fatou. Ça vient de vous et faites-le avec passion. Donc, allez au bout de vos rêves et ne lâchez rien. Donc, merci beaucoup, Fatou, pour ce super panel. Vraiment, on n'en a pas assez. Moi, je suis sûre que j'aurais aimé encore continuer pendant des heures et des heures à parler. Merci à toutes. Carrément, carrément. Et nous continuons à vous écouter. C'est inspirant. Et carrément, merci énormément pour ce que vous faites, pour tout ce que vous faites. Vous nous inspirez et on vous suit avec tout ce que vous faites, avec les femmes, l'entrepreneuriat et tout ça. Et vraiment, merci. Merci infiniment. Moi, je te dis personnellement merci parce que je sais que je connais l'influence que vous avez sur nous et que vous pouvez avoir sur d'autres filles, d'autres femmes entrepreneurs. Donc, merci infiniment. Et Kodou, quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit des jeunes filles? Voilà, à l'endroit des jeunes filles, Fatou, j'ai envie de leur dire que le monde ne se fera pas sans elles. Il faut dès maintenant qu'elles commencent à croire en elles. Elles ont des potentiels. Chacune d'entre elles, ces potentiels se doivent d'être réveillés. Maintenant qu'elles choisissent dès maintenant des références, des femmes sur qui elles peuvent copier ce qui est positif et ce qui peut leur être utile dans le bon sens.
leur dire qu'elles ne doivent pas avoir des limites. Pas de limites, pas d'œillères. Il faut qu'elles foncent dans le bon sens. Elles ne sont pas seules à vouloir faire de bonnes choses. Il y a leurs frères et leurs cousins qui sont à leur côté. Qu'elles font tout, qu'elles se précipitent dans le bon sens pour arriver au premier plan. L'autre chose, c'est nous sommes en train de nous battre sur les injustices, sur les discriminations, sur les inégalités. Nous avons la chance de le comprendre maintenant. Nous nous devons forcément de le faire comprendre à nos filles, à nos nièces, pour qu'elles aussi qu'elles comprennent qu'il y a beaucoup de choses qui les attendent. Je vais vous dire beaucoup de choses, Fatou. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce fut un plaisir d'être en face de moi, des géantes femmes, qui, dans leur domaine d'activité respectif, font d'excellents travail, mais malheureusement, dont on ne parle pas souvent d'elles. Et je crois que ce panel-là, organisé par Ashoka, ne doit pas se limiter là. Il faudrait qu'on en organise bien d'autres. Aujourd'hui, nous sommes là, mais elles sont mille autres femmes dans divers autres domaines qui pouvaient être à notre place. Remercier Fatou pour la qualité de la modération de ce panel. Qui dit Fatou, c'est également que c'est une grande géante. Géante, c'est pas de gros mots, non. Ce sont des adjectifs qui existent et qui peut-être, à force de la connaître, c'est un peu, où est-ce qu'elle est partie, où est-ce qu'elle est arrivée aujourd'hui. Félicitations à Fatim, félicitations à Neymarie, félicitations à Fatou. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi et j'ose espérer qu'au sortir de ce panel, nous nous retrouverons encore et encore pour discuter de beaucoup d'autres choses. Carrément, merci à toi Kodou, tu es ma grande sœur, j'ai eu à le dire vraiment pour la référence que tu es, parce que aussi au niveau de l'oxygène, elle est là-bas depuis plusieurs années. Nous, quand on était jeunes, on écoutait toujours la radio, et elle fait partie de ces références parce qu'elle encadre, elle forme beaucoup de femmes qui vous disent que oui, moi j'ai Kodou à oxygène, c'est elle qui m'a initiée dans ça et dans ça. Donc c'est énorme ce que tu fais au niveau de Pikin, au niveau de ces associations-là, et merci infiniment pour tout ça. Neymarie, elle-même, elle est insurante comme vous toutes. C'est vraiment une femme exceptionnelle. Donc, Neymarie, je vais dire le message que vous voulez dire à l'endroit des jeunes filles ou des jeunes d'une manière générale. Alors, mon message, ce sera que 100% des hommes proviennent des femmes. Donc, il faut que nous sachions que nous sommes au centre du processus de la vie. Donc, c'est la première chose que nous devons comprendre en tant que femmes. Nous devons être fiers d'être des femmes parce que je n'ai aucune envie d'être un homme. Et je suis très fière d'être une femme, d'avoir toutes ces possibilités, d'être sur le terrain avec mon casque et ensuite de porter ma petite robe, etc. Donc, j'ai mille façons de me réinventer et j'adore le fait d'être une femme. Donc, le message que je lance aux filles, c'est que soyez fiers d'être des femmes. C'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir la chance d'être au centre de la vie, de tout le processus de la vie. Soyez fiers de qui vous êtes, quel que soit d'où vous venez, quel que soit du milieu dans lequel vous avez grandi, soyez fiers. Parce que, quelles que soient les étapes que vous traversez aujourd'hui, vous en serez fiers demain. Et c'est un message aussi que je lance à la société. Arrêtez de mettre la pression aux femmes. Elles sont des femmes. Elles ont le droit d'être comme elles sont. Et elles ont aujourd'hui le pouvoir d'être puissantes, mais aussi elles peuvent être très douces. Donc, aujourd'hui, chères jeunes filles, soyez comme vous êtes. Soyez juste comme vous êtes. Et le monde, s'il vous accepte, tant mieux. S'il ne vous accepte pas, tant pis. Mais restez comme vous êtes. Vous êtes, vous êtes notre futur. Donc, sans vous, le monde ne se fera pas. Et merci à Kodou, que j'ai adoré écouter, à Fatim, que j'adore toujours écouter. Et je vous admire. Fatou Warka, on a eu la chance d'être dans la même promo de Changemaker, Ashoka. Donc, je la connais, je sais ce qu'elle fait. Elle a fait une vidéo ensemble aussi. Oui. Extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et je pense que aussi, les femmes, soyons solidaires. Oui. Voilà, on
forme une bonne masse de la population, si nous sommes solidaires entre nous, nous pouvons changer le monde. Et bien sûr, bon, ce n'est pas une récolte contre les hommes, mais bon, bien sûr, les femmes. Et je vois pas notre talent. Et merci à Ashika pour l'invitation. Nous avons été choisies parmi plusieurs femmes. Elles ne sont pas moins méritantes, mais je pense que vous avez vu les connexions qui pouvaient se faire entre nous. Et c'est un réel plaisir, voilà, de participer à ce panel. Mais j'espère que ça ne va pas se terminer là. Et j'ai hâte de trouver dans d'autres questions parce que c'était trop intéressant. J'avais envie que ça continue. Voilà. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à vous toutes, vraiment vous êtes des femmes exceptionnelles, je tiens à le dire dès le début et vraiment on a fait un bon panel instructif et plein d'enseignements et je pense que les femmes, les filles, les hommes, tout le monde, tous les gens qui vont regarder en tout cas auront des informations et pourront vraiment savoir maintenant comment faire de leurs avenirs et tout ça. Donc merci beaucoup à vous toutes pour votre disponibilité et pour tout et pour les femmes que vous êtes et merci infiniment à Ashoka pour l'initiative, à toute l'équipe de Ashoka Sahel et merci à vous et merci au Forum Getwiser et merci à tout le monde et on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Fatou. Fatou, on aimerait avoir les contacts de Fatou.